sommes alignés aujourd'hui, mais non pas pour refaire la dernière victoire de Napoléon. Au contraire, nous allons faire une autre bataille. J'ai fait cette bataille quand je viens d'installer Napoléon Total War sur mon nouveau PC, histoire de me remettre un petit peu en jambe parce que je compte l'intégrer à Stratégie Totale. Aux Stratégies Totales. Ça me fera un petit peu plaisir, étant donné que j'aime bien ce jeu. Donc, j'ai fait une petite bataille que j'ai pas mal réussi. Donc je voulais vous en faire part. Alors, j'ai pris comme armée les Français contre les Prussiens. Donc vous voyez, les Prussiens sont sur la colline, ici. Tandis que les Français sont sur l'autre colline, ici. Et les deux parties sont séparées par une rivière. Une rivière où il y a un pont, ici. Un autre, ici. Alors ici, on peut faire un énorme contournement. En passant par là, mais ce serait très long. Et même chose de l'autre côté. De l'autre côté, il y a le pont là. Mais c'est un peu moins long. Même si c'est toujours assez long. Alors, je vais commencer par présenter les effectifs de mon adversaire. Alors, aujourd'hui, il y a de l'artillerie. Donc, l'artillerie de l'ennemi est actuellement ici. Il a deux unités, si je ne me trompe pas. Il me semble qu'il a deux unités, mais je ne sais pas où est la deuxième. Non, il a peut-être qu'une unité. Ouais, il a qu'une unité, je me trompais. Excusez-moi. Alors, il a 4 unités d'infanterie de ligne de mousquetaires. Alors, en plus de cela, derrière, c'est de la garde à pied, donc l'élite de l'élite des Prussiens. Voilà, c'est les meilleurs. Alors, on a aussi de la Landwehr. La Landwehr, c'est quoi? Ben, c'est la milice. Et il y a aussi des grenadiers qui sont apparemment dans l'unité de milice. Alors, continuons les petites présentations. Alors, il y a aussi des Schützen de Silesie, donc de l'infanterie légère capable de tirer à 125 mètres, ainsi que des unités de cuirassiers, donc c'est une infanterie d'une cavalerie plus lourde, et des hussards qui sont d'une cavalerie de lanciers assez bien entraînée. Au niveau des Prussiens, alors comme je le disais, il y a encore de l'infanterie de ligne ici, ainsi que des fusiliers prussiens ici, qui sont de l'infanterie légère. Alors, il y a son général qui est le général de base du jeu, ainsi qu'une autre unité de Schützen de Silesie ici. Donc, maintenant que l'on a présenté mon adversaire, passons maintenant à nous. Alors, je me suis procuré 2 unités d'artillerie à cheval de 6 livres, ainsi que, alors sur les flancs, j'ai mis une unité de la vieille garde pour protéger ce flanc-ci. Au centre, il y a 2 unités de fusiliers de ligne pour protéger cet endroit-là, pour ce pont-ci. Alors, j'ai aussi mis une unité d'infanterie légère sur le flanc droit, ainsi que 2 unités de milice au centre, suivi de 2 unités de voltigeurs juste à côté pour les aider. J'ai 2 unités aussi de vieille garde juste derrière en couverture. Et 2 unités de grenadiers tout derrière. Alors j'ai aussi mis une unité de fusiliers de ligne sur le côté pour protéger ainsi mon flanc comme de l'autre. Alors j'ai 2 unités de cuirassiers qui sont la même que la cavalerie de mon ennemi, mais en un peu meilleure. Vous voyez que ces unités sont légèrement meilleures. Alors, maintenant que j'ai présenté les deux camps, on peut maintenant commencer la bataille. C'est parti. Alors là, comme vous le voyez, mon ennemi, il commence déjà à bouger. Ainsi que mes unités commencent aussi à bouger. Je vais directement envoyer ma milice couvrir cet endroit. Donc, ce pont-ci va être couvert par ma milice. Ces unités de voltigeurs vont directement passer dans la ferme, ainsi que le reste de mon armée va vraiment se déplacer. Alors ici, ils vont, avec ces deux unités, on va couvrir le pont de ce côté. Mais ma vieille garde va couvrir cet endroit, et ces deux unités-ci seront des grenadiers pour couvrir mon ennemi en cas de combat rapproché. Voilà. Alors, maintenant que cela est fait, mon artillerie a commencé à tirer.
Vraiment là, elle commence à faire un échange d'artillerie avec mon adversaire. Cependant, aucune unité n'a été détruite pour le moment. Si ce n'est quelques cavaliers qui ont péri sous les tirs de barrage. Alors, mon ennemi aussi s'est préparé à l'attaque. Et voilà, mes troupes d'infanterie légère entrent directement dans le bâtiment pour le protéger et pour avoir une vue maximale sur l'ennemi qui se situe là. Comme vous le voyez, il y en a déjà qui tirent, vous savez que leur portée est de 125 mètres. Donc là, autant dire qu'ils sont à la portée de mes troupes. Alors ma milice est mise là, cependant je me fais harceler par l'ennemi et son artillerie. Ce qui peut poser problème. Alors, mon mouvement va donc être d'envoyer ma cavalerie Nous avons ce pris flanc un bâtiment, monsieur. Pour tenter de contourner l'ennemi et le vaincre sur ce flanc. Alors là, il y a un échange qui vient de commencer entre les deux unités de milices. Donc mes milices, ainsi que la lande verte dans mon intérieur. Pendant là, il va vraiment commencer à attaquer. Et on va voir des unités de grenadiers qui vont commencer à tenter de traverser le pont. Donc là, on voit vraiment qu'ils nous attaquent. J'ai envoyé une unité de milice au contact de l'ennemi. Et ces grenadiers de front vont se charger de combattre à la grenade en leur envoyant des petites grenades pour les éliminer. Alors ici, j'ai aussi mes troupes qui se sont placées. Mais cependant, l'ennemi a envoyé son infanterie légère et il a beaucoup de troupes sur ce flanc-là. Je vais, à mon avis, devoir changer ma stratégie et adapter ce flanc pour une plus grosse bataille. Alors, ma vieille garde elle aussi a tiré. Donc, vous voyez bien aussi là que le champ de bataille commence à s'enfumer grâce aux mousquets. Donc ici ça devient vraiment ça va devenir dur de se repérer bien plus tard. Et ici un combat de cavalerie va commencer entre les unités de cuirassiers de mon ennemi et les miens. Cependant, le combat va vraiment s'avérer crucial au centre. Et j'ai donc réussi à vaincre les unités de grenades de mon adversaire grâce aux miennes qui ont balancé leurs petites grenades. Alors, mon infanterie de milice est presque à bout de morale. Cependant, elle va tenir suffisamment longtemps que pour que je puisse l'utiliser à bon escient. Voilà, on voit bien l'ennemi qui commence à nous harceler vraiment avec ses tirs. Mais nos hommes ne perdront pas espoir, ils vont tenir. Alors ici, je tente une percée pour tenter d'attaquer ces unités de Schützen de Silesie. Mais lui, il va vraiment commencer à tenter de passer en masse le pont. Là, je vais devoir faire un sacrifice qui va être ma milice que j'envoie de l'autre côté du pont pour tenter de ralentir l'ennemi et pour pouvoir l'harceler de plus en plus longtemps. Alors mon combat a été gagné de ce côté contre la cavalerie de mon ennemi. Je vais pouvoir m'empresser d'aller attaquer l'artillerie ici, qui a déjà subi quelques pertes grâce à mon artillerie à moi. Cependant, je devrais sûrement réorienter d'ici peu la mienne. Alors de ce côté, c'est une défaite pour mes hommes. Enfin, ils sont presque à bout de morale, mais ils vont réussir à accrocher cette unité qui va devoir. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Et comme vous le voyez, ma milice bat en retraite au centre et je vais envoyer ma deuxième unité de milice pour canaliser l'ennemi. Alors, en même temps, je mets ma vieille garde pour qu'elle puisse avoir une belle vue sur l'ensemble des unités ici et faire ainsi un tir de massacre qui va vraiment tuer un maximum de mecs qui sont très combats. Alors, de ce côté, j'ai toujours mes grenadiers qui rechargent. Mais là, le combat s'est aussi engagé. On voit vraiment que cette unité va être vite en difficulté. Bien qu'elle va se faire prendre par ce. C'est vrai que le combat continue. On voit que mon adversaire commence à cibler ma ferme où il y a mon infanterie légère. Donc elle a déjà beaucoup de dégâts. Ça va être très dangereux de la laisser ici, sauf que à ce moment-ci, je ne m'en suis pas encore rendu compte. Alors, mon unité de milice a été vaincue, elle se replie. Cependant, j'ai encore suffisamment d'hommes que pour leur tenir tête, dont mes grenadiers de front vont être très efficaces. Alors là, je vais envoyer une salve de grenades. Regardez, des petites grenades. Ça va être un petit massacre. Ceux-là qui sont très très compacts à nouveau. Donc là, ils tentent de pencher.
sur le pont en masse avec leur infanterie d'élite. Là va s'en suivre un combat au corps à corps. L'ennemi va commencer à vouloir m'attaquer au corps à corps. Et vous voyez la fumée qui s'échappe des salves de mes mousquets. Donc c'est déjà très impressionnant. Mais là, grâce à mes grenades, ils vont perdre espoir et vont un petit peu se replier. On a quand même l'unité d'Elitia qui a accroché l'unité de grenadier, mais mes grenadiers sont experts au combat rapproché. Donc il ne faut pas l'oublier ça. Ils vont très bien s'en sortir. Alors de ce côté, j'ai mis une ligne de vieille garde de façon à ce qu'elle puisse vraiment tirer un maximum sur le fleuve, enfin sur l'autre partie du fleuve. Alors que je dis ça, j'ai toujours gardé une unité de garde en réserve au cas où. Et ici, mes unités de cavaliers vont accrocher l'unité d'artillerie et l'ont vaincu. Elles vont maintenant se diriger vers toute autre unité d'infanterie de l'ennemi. Mais une de mes unités est vraiment en mauvais point. Et là, on voit vraiment qu'il s'agit vraiment de se replier. Quand je dis trop vraiment, j'ai fait un petit peu arrêté. Alors, j'ai envoyé aussi mon unité de grenadiers de canaliser un petit peu et de retarder l'ennemi de l'autre partie, sur l'autre partie du club. Et ainsi, cette unité de grenadiers de front va encore se placer, histoire de pouvoir tirer ces magnifiques grenades qui sont très destructrices et très ravageuses pour le moral de mon ennemi. Alors maintenant, l'unité de cavalier ennemi a tenté une percée, mais je vais dire rattraper avec mes unités d'infanterie que j'ai positionné en carré. Ici, je tente une petite percée de l'autre côté pour les flanquer un petit peu. Et là, on voit vraiment que le front se disloque grâce à mes grenades qui ont fait un magnifique carnage. Et mes grenades ont vraiment réussi à faire perdre le moral à toutes ces unités. Donc je viens de faire perdre 3 unités qui sont complètement en déroute. Elles vont inévitablement se replier, même peut-être se reformer. Monsieur, par la monsieur, suite. Notre général est sous une attaque. Cependant, là, j'envoie ma cavalerie contre l'infanterie légère de l'ennemi, histoire qu'il ne puisse moins marceler. Et ici, une autre de mes fermes se fait attaquer, où il y a encore mes tirailleurs. Alors, j'ai rapidement fait sortir les tirailleurs de cette ferme pour les envoyer juste devant le pont. Ici, ces troupes ont subi un petit peu de perte, mais pas tant que ça. Cependant, là, le mouvement de flanc a vraiment marché, étant donné que j'ai vaincu les troupes de Schulzen de Silesie. Nous avons pris un bâtiment, monsieur. Me faire très mal à mes troupes. Et grâce à ça, j'ai pu vraiment flanquer l'ennemi avec ces troupes-ci. Et maintenant, la victoire est gagnée, étant donné que j'ai vraiment affaibli l'ennemi au centre, grâce à mes tirs de suppression de partout, et à mes grenades qui ont vraiment affaibli le moral de l'ennemi en masse. Donc là, le général vient de tenter une charge héroïque. Cependant, il a succombé sous les tirs de mousquet qui étaient bien trop nombreux pour lui. Alors ici, il y a des unités qui se reforment, mais c'est des unités de mousquetaires. Alors que mes cavaliers ont poursuivi tout simplement l'artillerie de mon ennemi, qui était un obus de cette livre que j'ai oublié de présenter lors du début de la bataille. Alors, donc j'avais positionné cette autre unité parfaitement ici, histoire qu'elles aient une vue imprenable sur l'autre rive, voire les massacrer. Donc voilà, la bataille est terminée. J'ai donc déployé 1952 unités et mon ennemi 1389. Et mon ennemi 2252. Alors j'en ai tué 1389 et mon ennemi en a éliminé 519. Donc on a pu voir vraiment une bataille où il y avait... Le but vraiment était de capturer les ponts pour tenter de canaliser la foule de l'ennemi. Donc l'ennemi a vraiment tenté un assaut frontal en traversant le pont où il a envoyé toutes ses unités. Cependant, mes grenadiers ont réussi à éliminer une belle partie de l'ennemi en leur envoyant des grenades pendant que ma milice retardait le tout. J'ai aussi tenté un mouvement de flanc avec ma cavalerie pour aller détruire l'artillerie ennemie qui était un succès. J'ai ensuite pu me retourner comme j'étais dans le flanc, comme j'étais dans les arrières de mon ennemi. J'ai ensuite pu me retourner sur ces unités d'infanterie légère et d'autres unités. J'ai aussi tenté un autre mouvement sur l'autre flanc avec ces deux unités que vous
aussi un succès. Mais le centre a vraiment été un combat très très désastreux pour mon ennemi qui a vraiment perdu la majorité de ses troupes. Cependant, j'ai aussi perdu un petit peu d'hommes, mais c'était des unités de piètre qualité comme de la milice. Donc voilà, c'était une petite bataille pour se remettre en jambes sur Napoléon Total War et je vous dis à la prochaine.